We were fools. There's nothing we could have done. We're conquering all of Skyrim, blazing the human with fire and death. The dead is doomed. He calls himself Dorset Dorfakin. Bob Lennon, Pyro-Barbar. Bob Lennon, c'est un pyro-barbare. Massacré, déchiqueté, au fil de son mâchoire. Avec la veine, il tient sa fidèle Ulysca. Bob Lennon, a en lui le pouvoir. Son acier enverra dans les flammes éternelles. Les dragons parcourant les yeux de bord de ciel. Il mènera le combat jusqu'au neige immortel. Bob Lennon, Bob Lennon, au milieu du carnage, obtiendra la victoire au côté des sombrages. Et au cœur des batailles sur son fidèle cheval, Bob Lennon trouvera le secret du métal. Bob Lennon, c'est un pyro barbare. Massacré, déchiré, au fil de son hachoir. Avec la belle Lydia, sa fidèle Busta. Bob Lennon, marchera vers la gloire. Qui t'es, toi, débile? T'es le moche, toi, je me souviens. Fermez-moi aux ordres, j'ai pris le commandement de Fort Néograd. Le moral est au plus bas et la situation est dramatique. Dalgan a considérablement affaibli une ligne d'approvisionnement. Le col du Clos est fermé à cause des avalanches de la montagne et il nous faut des renforts. Sans quoi notre garnison ne résistera pas à une autre attaque. Oh! Perds pas la tête! Décapitation! Bitch, please! J'aimerais retrouver mon cheval. Excusez-moi, vous auriez vu mon cheval? Ah! Elle a pas vu mon cheval. Reviens ici. Ah non, 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 non! 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 Ah! Ah, pardon. Voilà tout. En plus, s'il m'embrassait, j'aurais pas besoin de le frapper sans arrêt. T'es pas un peu jeune? Avons-nous terminé? C'est moi ou cette gamine vient de me moucher là en fait? Bon bah j'imagine que c'est ça, c'est les temps médiévaux à la Games of Thrones, tu sais, où les gamines à 7 ans elles savent déjà ce que c'est un. C'est quand même malheureux, enfin bref. C'est quand même malheureux tout ça, ça me donne envie de décapiter une forgeronne! Et encore plus à la... Ah! Et la voilà ta queue de cheval! Pour les crabes des vases, j'étais mort de rire. C'est un mode qui, au lieu de mettre des cris de crabes des vases qui font... Voilà, comme ça, vous l'avez entendu. Parce que moi, les statues d'Hydra... Une nouvelle âme candidate approche. Pour le Mortal Kombat! Décapitation! Et yeah! Et voilà! Les gens se rendront compte que le Lars dure beaucoup plus longtemps. En effet, j'ai téléchargé un mode il y a longtemps qui augmente les effets des cris et qui en baisse certains. Parce que il y avait des cris qui étaient complètement craqués et qui faisaient n'importe quoi. Et d'autres qui étaient pas assez représentatifs de ce qu'on nous montrait dans les trailers. Et ça, c'est clairement un cri qui est mineur, donc... Ouais, tu t'es pris deux flèches. Non, y'a personne. Ah là là là, et ça baisse, regardez, ça baisse, ça baisse. On attend que ça a baissé un petit peu. Jusqu'à ce qu'il ait perdu toute suspicion. Parce que t'as raison, hein, ça devait être le vent, t'es. Ouais, t'as raison, tu t'es pris deux flèches. Ton esprit te joue sans doute des tours. Bob Lennon qui tente d'être discret. Hein. Bob Lennon ne bouge pas. Bob Lennon, barbare de la discrétion. Oh yeah, c'est la bête. L'esprit de la bête, Bob Lennon.
Ah, par contre, si je le rate celui-là, je change ma coiffure. Oh ! Et voilà ! C'est également mon cas. Vous pourrez être amis. Va gratter l'amitié ailleurs, lézard. Ah, oui, bien sûr, vous avez raison. Falk, dites au capitaine Aldis d'affecter quelques soldats supplémentaires à Pont Drago. Merci, Yarley. Ah, excusez-moi, je m'en fous. Veuillez ne pas interrompre le tribunal. Ah. Vous pouvez aller vous reposer, Varnius. Je veillerai à ce que quelqu'un s'occupe aussi de la mort. Oh ! Ah ah ! Oh ! Oui ? Oui ? Marché de Rivebois, on y va. On va trouver l'autre folle et son frangin complètement débile. Hein, qui sont d'ailleurs énormément victimes c'est de... C'est si important pour nous que la griffe reprenne sa place d'origine. Merci. Je sais pas si t'as regardé, mais... Ne le prenez pas mal, mais vous avez l'air un peu mal en point. Je suis d'accord. Oh, chers amis, encore une fois, je viens d'arnaquer ce pigeon et de donner le matos de plaque à Lydia. Apparemment, ça lui va très très bien. Il lui faudrait juste l'armure complète qui lui manque. Vous êtes pour, vous allez tous être là. Ouais, il faut que tu la forges toi-même. Ça me zoule. J'ai pas envie de la forger moi-même. Je vais regarder s'il vend pas du matos intéressant, ce vieux con, parce qu'on ne sait jamais. Un bouclier elfique, je sais que ça pourrait intéresser Lily, mais c'est pas un bouilloire. C'est bien pour les mettre sur les têtes des gens au cas où. Vous n'auriez jamais dû. Bonjour! Oh! Oh! Mais c'est de la magie que tu fais là! C'est impressionnant! Oh! Même que ça pourrait m'impressionner! Ah! Ça lui a rien fait! Et t'as invoqué un truc? Ah! D'accord! Parce que je me demandais en fait! Tout ce que je devrais faire d'intelligent, bien sûr, hein, ceux qui m'ont envoyé vers les guildes, je vous envoie de les ténèbres. J'annonce, hein, les guildes, ce sera à la fin du jeu, à la toute fin, et encore s'il y a des gens qui suivent encore ce pétro. Oh, vas-y. Oh, oh, la chute du dragon. Oh mon dieu, c'est bon, regardez, il glisse, oh, regardez-moi ça, oh, regardez-moi cette magnificence, ce délicieuse. Vaincu dans les ténèbres. Oh, oh le poids du dragon. Oblivion, bon, il m'a chanté tout. Comment le... Oh, vas-y, bûche sans hache, toi. Attention, c'est un Jedi, en fait. Il fait du R... du R bûcheron. Oh, c'est métal, ce que tu fais, Sigurd. Alors... Pas à croire qu'il me détecte pas tout de suite. On va faire tomber ton armure déjà. Allez. T'as l'air d'être complètement bugué, mon ami. T'es sûr que ça va bien? Chou. Allez, hors de mon village. Allez, chou. Allez, magie! Chut! J'en ai un souffle coupé. Vous faites de la magie? Je veux dire, c'est un sort que vous venez de lancer, c'est ça? J'aimerais bien être invisible. Vous savez faire ça? Rendre invisible? Ah, j'ai bien peur de pas pouvoir faire ça. Moi je crois. Bon, il va falloir que je trouve autre chose alors. Salut! Désolé. Voilà, dans la rivière. Ouh tiens, non, ça fait une belle décoration. Si elle se stabilise. Ouais, ça le fait. Je vais dire, je m'en fous tellement. Oups. J'ai raté mon coup. Ah tiens. Ça fait des générations que les cruelles mères... Oh ! En vérité. Oh, Lydia ! Yes ! Ah ! Ah, c'était pas la bonne personne! Ah, le fail! Ah, pardon, bah lui! Oh la vache!